Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette vidéo de la prairie. Alors du coup, le titre de cette vidéo, c'est « J'ai du mal à changer ». Alors je ne sais pas vous, mais moi, souvent, il y a des choses que j'aimerais changer et j'arrive pas à les changer. J'ai du mal à changer dans certains domaines. Par exemple, il y a une façon de parler, une façon de dire, une façon de communiquer les choses qui n'est pas appropriée des fois, que je peux avoir. Et j'aimerais changer ça, mais ce n'est pas évident. Alors je ne sais pas si vous avez des choses que vous aimeriez changer. En tout cas, moi, j'ai du mal à changer. Alors, j'aimerais vous partager dans cette vidéo des clés, on va dire, spirituelles que j'ai trouvées dans la parole de Dieu pour nous laisser nous changer. Alors, on va prendre cette parole et on va lire dans Jacques 1, versets 22 à 24. Alors, Jacques 1, versets 22 à 24, on commence par ça. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alors, c'est assez drôle, mais regardez, là, il y a un miroir. Donc, cette parole de Dieu, elle nous dit quoi? Elle nous dit simplement que, des fois, quand on écoute Dieu, et qui nous parle et qu'on comprend, qu'on se voit dans ce miroir, qui est la parole de Dieu, qui nous montre en fait qui on est, et peut-être certaines choses qui doivent changer, et bien en fait, aussitôt qu'on est parti, qu'on a pris ce temps avec Dieu, on oublie ce qu'il nous a dit, et on ne change pas. C'est quelque chose de triste, on peut être capable d'écouter Dieu, d'entendre ce que Dieu nous a dit, de recevoir quelque chose, mais de ne pas changer. Ça me fait penser le miroir à un exemple. C'est quand je ne me rase pas depuis un certain temps, un poil de barbe qui pousse et qui devient important, je me regarde dans le miroir et je me dis, ah mais ça c'est pas terrible, il faudrait quand même que je finisse par me raser. Et du coup, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'évite le miroir. Je me regarde plus dans le miroir. Et à un moment donné, le problème, c'est que la réalité me rattrape. Si c'est pas ma femme, ce sera ma mère qui me dira, mais qu'est-ce que tu fais, rase-toi, c'est horrible, quoi. Et elle va me regarder et dans ses yeux, je vais voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, des fois, on a envie de fuir le miroir, de fuir ce que Dieu nous a dit, ou alors même si on ne peut pas le fuir, on ne le met pas en pratique, on ne vient plus devant le miroir, on va éviter ces temps avec Dieu d'intimité. Et ça, c'est quelque chose de dangereux, parce qu'à un moment donné, la réalité nous rattrape. À un moment donné, il y a ma mère qui va me dire, mais coupe ta barbe, ou ma femme. Et là, à ce moment donné, quand on s'approche de Dieu, eh bien, la réalité va revenir. Et le problème, c'est que même si on évite ce miroir, qu'on ne s'approche pas de Dieu, la réalité sera là. Et elle nous rattrapera. Alors du coup, dans cette étape 1 du miroir, je vous propose de retenir celle-là. C'est l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu, elle est hyper importante. Et en fait, elle va renouveler notre compréhension. En fait, il y a quelque chose qui se passe quand on écoute Dieu. Dieu, il va parler à notre intelligence. Et il va nous donner cette compréhension de quelque chose dans lequel il veut agir et changer. Une révélation de notre état. Donc ça, c'est l'étape 1. Mais ce qui est super important, c'est de ne pas rester juste à l'étape 1. Et de ne pas rester juste à l'écoute de Dieu, mais de passer à autre chose. Et pour ça, je vais lire le verset 21. Parce qu'il y a un danger, c'est d'entendre Dieu, mais que rien ne change. Verset 21, c'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Il y a d'autres versions qui disent, accueillez humblement la parole qui a été plantée dans votre cœur. L'histoire d'accueillir et de plantation dans notre cœur, dans notre être, en nous, au plus profond de nous. C'est quelque chose de super important. Parce que si cette parole, on l'écoute juste, que ça nous parle et qu'on passe à autre chose, comme cet homme où en fait c'est ridicule, il oublie même comment il est. C'est ridicule d'oublier la tête qu'on a finalement après qu'on soit vu dans un miroir. C'est ridicule d'oublier ce que Dieu nous a dit. Le Dieu qui a créé l'univers. Et cette parole-là, elle a envie
de pénétrer au plus profond de notre cœur et d'être planté ici. Alors, et cette plante qui est là, je ne sais pas si vous la voyez, alors c'est une petite plante, j'ai planté plusieurs arbustes, vraiment un petit arbre dehors, et en fait je me suis rendu compte que si on faisait un gros trou, on avait une chance que ça marche, mais si on faisait un petit trou, comme le prédécesseur qui habitait ici avait fait avant moi, il avait fait un tout petit trou, on avait retrouvé, du coup les trucs ne poussaient pas, les arbustes, donc je m'avais ôté 2-3 parce que ça ne poussait vraiment pas, et je me suis rendu compte qu'il avait fait un trou juste de la taille du pot. Et les racines, après plusieurs années, étaient restées dans le petit trou. Elles ne s'est jamais développées parce que la terre était trop dure autour. Et on s'est rendu compte pour que la plantation prenne, il fallait faire un gros trou, mettre plein de terreau. Ça, beaucoup de gens vous le diront. Et en fait, j'ai découvert que c'était vrai, c'était pas juste pour vendre du terreau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas juste écouter, entendre, et ensuite que rien ne se passe. Ou alors, il y aura une petite semence qui va être plantée avec, sans faire de vrais trous. On a besoin que Dieu, des fois, travaille au profond de notre être, creuse des trous, c'est-à-dire remettre en question une façon de vivre, une façon de parler, une façon de penser, une façon de se comporter avec les autres. Et je pense que c'est très dangereux de laisser la parole de Dieu se planter sans lui laisser une grande place pour qu'elle prenne racine. Et on a besoin que la parole de Dieu prenne place, on nous prenne racine. On a besoin de laisser Dieu creuser ce trou. Il n'y a pas de plantation possible sans trou au départ et sans terre amenée. Et en fait, cette application que je vais vous laisser par rapport à ça, c'est que en fait, on peut écouter Dieu. On peut avoir cette révélation, il parle de notre intelligence, il renouvelle notre compréhension. Mais on a besoin à un moment donné que cette révélation passe à l'étape de la transformation. Et ce n'est pas possible sans plantation. Et je pense que un des problèmes du fait qu'on ne change pas vraiment, c'est qu'on est des fois touché par Dieu, on est des fois remis en question, mais on ne laisse pas la parole s'implanter. On ne laisse pas la parole prendre la place et prendre racine et se développer. On passe à autre chose, on oublie comment on est et on passe à autre chose dans nos occupations quotidiennes. Donc première étape, du coup, l'étape du coup du miroir qui est l'étape en fait de l'écoute de Dieu où il nous révèle quelque chose. L'étape numéro 2, c'est l'étape de la plantation, l'étape où cette fois Dieu il fait une œuvre de transformation en nous. Et on va finir avec une dernière étape. Et cette dernière étape, vous allez voir, elle est plutôt, on va dire, rafraîchissante pour moi. Vous n'allez pas, ça n'a pas changé grand-chose pour vous. C'est l'étape de la plongée. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à tout ce qu'on a dit et je vais revenir vers vous dans quelques secondes. Alors prenez ce temps pour peut-être parler à Dieu, pour peut-être lui parler de tout ce qu'on a dit. Alors, tout de suite, laissez-moi quelques secondes quand même. Voilà, alors je suis de nouveau parmi vous. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste posé ma tête dans un seau et je l'ai ressorti, enfin une bassine. Cette étape de la plongée est extrêmement importante. Je vais lire avec vous le verset 26 de Jacques 1. Alors écoutez bien. Alors, c'est même le verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et en fait, je pense que là aussi c'est une clé. Là aussi c'est une clé de en fait, plonger nos regards dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire plonger ? Vous avez vu cet exemple, quand j'ai plongé ma tête, c'est impossible de communiquer avec vous. Je vous ai dit, je reviens dans quelques secondes, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, parce que j'étais plus là. Si même la bassine était plus profonde, je plonge mes oreilles, je plonge toute ma tête, et je suis déconnecté de ce qui est autour de moi. Je suis entièrement plongé en apnée dans ce moment où l'eau est autour de moi. Et je pense que des fois, on a besoin de temps comme ça, on a besoin même que ces temps d'intimité avec Dieu, on puisse être plongé pleinement avec lui. Et plonger en sa présence, plonger dans une adoration en fait. Et ça, c'est cette dernière étape, celle du plongeon, celle, je crois, de l'immersion avec Dieu, où
On se donne pleinement à lui, pleinement à son écoute, tout entier à lui, cette étape de l'adoration. Et en fait, cette étape-là est une étape vraiment importante, parce que c'est une étape qui honore Dieu. J'ai envie de dire, c'est l'étape auquel on est conduit en lisant sa parole, l'étape ultime à adorer notre Dieu, ce pourquoi on a été créé et pleinement heureux dans ces moments d'adoration de Dieu, de louange et de joie en sa présence et avec lui. Donc pour résumer, pour faire simple, retenez trois images, retenez du coup le miroir, et le miroir c'est là où Dieu parle à notre esprit, notre intelligence, c'est la révélation, il nous parle. Si on en reste là, on est comme le gars qui se regarde dans le miroir et qui oublie comme il était. Dieu peut nous parler et on ne peut rien en faire. Et ensuite il y a une étape super importante de la plantation, où la parole de Dieu vient s'implanter. On a besoin de creuser ce trou, de faire place. Et ça peut être des fois dans la souffrance, une remise en question de comment on est, où Dieu vient faire de la place pour parler et pour prendre place et changer des choses qui sont pas, ouais, qui ne l'honorent pas et qui doivent nous transformer. L'étape de la transformation, de la plantation. Et la troisième étape, celle de l'immersion, du plongeon, celui de la natation, c'est cette étape où, en fait, simplement, on adore Dieu, l'adoration, l'immersion en Dieu, avec lui, où on l'adore. Je crois que ces trois étapes, qui sont une conséquence de l'écoute de la parole de Dieu, elles sont super importantes. Donc je vous laisse cette vidéo d'encouragement. Faites de ces étapes les vôtres cette semaine dans vos temps avec Dieu. Et à l'année prochaine, que Dieu vous bénisse dans votre lecture de sa parole. Bye bye.